Benoît, bonjour, guide. Bonjour. C'est bien la première fois que j'ai un guide à interviewer pour une manifestation qui aura lieu ce samedi. Medicus, waouh, j'ai vu le titre, je me suis dit, mais ça va faire peur. Ça va faire un peu. Il peut y avoir des passages un peu inquiétants, mais c'est plutôt une visite qui rappellera peut-être plus des choses genre le Da Vinci Code que vraiment des choses très horrifiques. Bon, après, hein, y a toujours, on parle de médecine et du grand tabou de la médecine, donc effectivement, ça peut être parfois un petit peu sombre. Alors justement, qu'est-ce qui va se passer exactement ? Alors, bon, sans spoiler de trop, on va faire une... Donc, c'est une visite comptée, donc, puisque moi, je suis compteur et guide. Et donc, c'est une visite comptée dans le bâtiment historique de l'école de médecine de Montpellier, autour de, donc, de, à la fois des légendes et de l'histoire médicale. Sachant que moi, j'aime bien créer du mythe, j'aime bien que mes histoires se relient entre elles. Donc, on va suivre un héros tout au long de ses études de médecine, il s'appelle Théo, qui découvre au début de ses études qu'il y a une société secrète mystérieuse dans l'école de médecine et il veut en percer les secrets tout au long de ses études. C'est donc le prétexte à se balader dans le bâtiment, à voir parmi les plus beaux endroits du bâtiment, jusque, évidemment, à la découverte et au dévoilement du mystère. C'est carrément une intrigue pour faire découvrir un petit peu plus cette histoire de la médecine, le patrimoine, son historique. Alors, oui et non. Oui, bien sûr, on parle beaucoup de l'histoire de la médecine, de l'histoire de l'école de médecine de Montpellier, mais au final, ça reste une visite comptée. Et personnellement, dans les visites, ce que je cherche à faire, évidemment, j'apporte du savoir, j'apporte de la connaissance. Mais moi, ce que j'aime, c'est apporter du lien. Parce que ben, pour retenir les connaissances et pour s'attacher à un lieu, il n'y a rien de mieux qu'une bonne histoire, il n'y a rien de mieux qu'une bonne légende. C'est ce qui fait que les gens, en fait, aiment les endroits, s'ils se sentent connectés. Donc moi, je suis là pour que les gens se sentent connectés et aiment encore plus l'école de médecine en partant qu'en y venant. Et pas juste se dire « Oh, c'était intéressant, on a appris plein de choses », qu'ils sortent également en disant « Waouh, maintenant, chaque fois que je regarderai cet endroit, j'aurai cette émotion qui viendra ». Alors, on va rappeler les horaires, c'est très important, c'est de 14h à 16h. Alors, bien sûr, c'est la toute première fois que tu réalises ça ou… Non, je l'ai créé la visite il y a un peu plus d'un an. D'accord. Et ça fait pas loin de 3 ans que je collabore avec l'école de médecine, mais auparavant, je continue de le faire, je faisais uniquement des visites du jardin botanique. D'accord. Et donc, avec le recul, ça fonctionne plutôt pas mal. Il y a pas mal de demandes. Il y a de la demande, oui. De toute façon, c'est un lieu qui, forcément, c'est un des lieux les plus mystérieux et des plus, prestigieux de la ville. C'est la grande fierté de Montpellier, l'école de médecine, à juste titre. Et donc, forcément, c'est un lieu que les gens... En plus, c'est un lieu dans lequel c'est pas si facile d'entrer que ça. En semaine, quand l'école est ouverte, on peut voir la cour d'honneur, on peut voir le hall d'entrée, mais on peut pas aller dans la salle des actes, on peut pas aller dans l'amphithéâtre d'anatomie. Et donc, c'est une occasion d'aller un peu lever le voile et d'aller voir ces endroits. De découvrir un petit peu les mystères. Alors, en plus que c'est pas une visite guidée, on va dire normale, puisque c'est compté. Donc là aussi, je suppose qu'il y a ce côté très mystérieux que tu vas donner à la chose. Ouais, complètement. Sans en rajouter. Hein. Et puis, bien sûr, je prends bien garde à ne jamais faire passer de la légende pour de l'histoire et vice-versa. Ouais. Mais ça, c'est quand même super intéressant. Et tu as eu des retours par rapport aux autres années lorsque tu l'as fait. Tu as eu des retours avec des gens qui t'ont dit ça, c'était extraordinaire, ou alors ça, il faudrait peut-être plus l'améliorer, des choses comme ça. J'ai pas eu encore de retour négatif. C'est plutôt pas mal. Et
Et en plus, non, les retours sont très très bons. Les gens de toute façon sont bienveillants en général. Ils viennent parce qu'ils ont une curiosité, une envie de se laisser porter par les histoires. Donc ça, forcément, ça. Les seuls, on va dire, un peu côté négatif, ne sont pas dus à moi, ne sont dus à personne. C'est juste momentané. C'est que pour le moment, comme il y a pas mal de travaux de restauration dans l'école de médecine, il y a certains endroits où on ne peut pas encore aller et qui font partie des hauts lieux de l'école de médecine, comme le conservatoire d'anatomie, par exemple, qui n'est pas encore accessible au public parce que la restauration n'est toujours pas finie. Et la salle de lecture de la bibliothèque, qui est un travail de restauration extrêmement profond, long, en plus forcément avec des collections riches. Donc ça, là, il y a une petite frustration qui peut être là, de ne pas pouvoir encore accéder à ces endroits. On ira plus tard quand ces endroits seront nouveau accessibles. Mais il y a des lieux de remplacement auxquels les gens ne s'attendent pas. Donc du coup, il y a des surprises. Alors, on va rappeler bien sûr que bah, y a une tarification hein, quand même, parce que c'est comme ça. Hein, on va rappeler le tarif, c'est 12 euros. Le tarif plein, c'est ça? Non, 12 euros, c'est le tarif réduit. C'est 18 euros le tarif plein. Pardon, autant pour moi. Donc, c'est C'est 18 pas euros. grave. C'est 18 euros le tarif plein. Alors, pour parler pratique, parce qu'on sait que circuler à Montpellier, ça peut être très compliqué. Le lieu de rendez-vous, il est à la Comédie. Alors là, Pas du tout. ça peut piquer un petit peu, Non, mais non, non, quoique c'est très bien excuse-moi. desservi en tam. Oui, mais le lieu de rendez-vous, c'est pas la comédie, c'est D'accord. l'école de médecine. Eh ben, j'ai tout faux. Oui, J'ai tout parce que faux. c'est un peu loin, sinon non, on se retrouve directement devant l'école de médecine. Et c'est desservi en tram, le plus simple, c'est la ligne 4, hein, tout simplement, qui s'arrête juste à côté. Le plus proche, je pense que c'est l'arrêt Pérou, mais on peut s'arrêter également à Albert Ier, école de médecine, qui est vraiment pas loin. Donc c'est devant le portail de l'école de médecine, le point de rendez-vous. L'adresse exacte, c'est rue école de médecine, c'est pas compliqué. Et alors, si les gens ils veulent s'inscrire, parce que je suppose que là, c'est préférable de s'inscrire en amont. Alors, c'est même obligatoire. D'accord. Pour une raison simple, c'est que pour des raisons de sécurité, on va dans des endroits où il n'y a pas forcément toujours. On ne peut pas circuler très facilement. Donc, pour des raisons de sécurité, j'ai une jauge. Et on ne peut pas être plus d'un certain nombre. Moi, je ne prends pas plus de 12 personnes et j'ai absolument pas moyen. Encore une fois, pour des raisons de sécurité, on ne nous laisserait tout simplement pas entrer, de dépasser cette jauge. Donc, il faut absolument s'inscrire en avance. D'accord. Et comment ils font les gens pour s'inscrire? Ils vont sur un site, ils font quelque Exactement, ils chose? vont sur mon site internet, taliesin-tourisme.com. Taliesin, c'est Taliesin, taliesin-tourisme.com. Et on peut réserver ses places directement, sur le site. Eh bien, le message, il est passé. On vous rappelle que c'est l'événement qui est complètement dans une originalité de dingue. C'est ce samedi 13 avril de 14h à 16h. Alors, je m'excuse si je fais des petites fautes, mais je suis sur le site de Montpellier Tourisme dans l'agenda et je te conseille de regarder parce que, effectivement, ils mettent l'accès à la comédie. Donc, toutes ces informations-là, si les gens font comme moi, Oui, c'est sûr. C'est donc sûr. il Bah, faut. oui, on corrigera ça ensemble avec l'Office du tourisme. Voilà, il Par faut. défaut, en fait, ils mettent comme point de rendez-vous devant l'Office du tourisme. C'est Ouais. sûr que si on n'y prend pas garde. Voilà. Je tenais voilà, juste à le signaler parce que ça, c'est quand même Mais tu fais bien. relativement important. Et puis, je vous rappelle, vous, les amis qui nous regardez, si vous voulez qu'on offre à Benoît un reportage sur son événement Medicus qui aura lieu samedi, il vous suffit de voter le chiffre 1, bien sûr. Et puis, s'il totalise 30 points, eh ben, que le meilleur J'ai pas gagne, le ça veut son. dire qu'une équipe de reportage ira faire justement un reportage, que je l'ai dit, sur ce magnifique événement dans les secrets de la médecine, de l'école de médecine de Montpellier, Medicus. Merci beaucoup, Benoît.